Good morning, allez, Idan sur aujourd'hui le Nishman Richard Ben Fortune Mazal, Claude Israq Ben Fortune Mazal et Robert Baruch Ben Jamil Taraba Cohen. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude du Mishnah pour capter 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Beitza, Perek Aleph Mishnah Dalet. Zimen Shchorim ou Matzah Levanim. Levanim ou Matzah Shchorim, Shnaim ou Matzah Shlosha Asurim. Shlosha ou Matzah Shnaim, Mutarim. Betoch Aken ou Matzah Lifnei Aken. Asurim. Vimen shamelahem are elu mutarim. On continue là le sujet évoqué dans la Mishnah précédente sur la nécessité de désigner les oiseaux, les pigeons, les volailles qu'on va égorger pendant Yom Tov. À Yom Tov, on a le droit de, bien sûr, de faire la shrita aux animaux. C'était d'ailleurs très fréquent à l'époque. Il n'y avait pas de frigo pour avoir de la viande fraîche le lendemain, surtout qu'on avait deux jours, Shabbat et tout ça. Donc, ils faisaient la shrita, Yom Tov. Maintenant, il y a quelques petites conditions à vérifier, à remplir. Il y a tout d'abord la nécessité de désigner les animaux à qui on va faire la shrita. Sinon, il y a un problème de moukté. Ils sont, pour le moment, ils ne m'appartiennent pas. Donc, je dois les désigner que je vais les prendre. C'est-à-dire, même si j'ai un pigeonnier, c'est pas vraiment une propriété. C'est juste que je mets des cases chez moi et puis les oiseaux de l'extérieur viennent, s'installent. Et donc, du coup, ce que je veux faire la shrita, je dois les désigner. D'accord? On avait vu une marque dans la mission précédente. Est-ce que je dois les prendre en main pour voir s'ils sont assez gros ou pas? Ou est-ce que ça suffit de les pointer du doigt? Il y a des cas de figure où même ça suffit d'après tout le monde de les pointer du doigt, comme ce qu'on a expliqué. Maintenant, la Mishnah va va évoquer les situations de surprise. On a prévu quelque chose, on arrive le lendemain dans la case qu'on a fixée, on remarque qu'il y a quelque chose d'autre. Mais regardez comment ça se passe. Je commence à traduire, après on explique un peu mieux. Zimen Shchorim ou Matzah Levanim. Il a prévu, l'Azmin, il a invité, c'est-à-dire il a prévu des noirs ou Matzah Levanim. Et lorsqu'il vient les prendre, il remarque qu'ils sont blancs. Ils sont décolorés pendant la nuit? Non. Donc quoi? Ils ont été changés. Et la Mishnah continue en disant bien, Levanim ou Matzah Shchorim. Il avait prévu des blancs, puis maintenant il retrouve des noirs. En réalité, on parle d'un cas un peu plus subtil. On parle qu'il y avait une case. J'avais prévu que j'avais besoin de 4 poulets. 4 poulets et 4 pigeons. Il y avait là-bas, dans cette case-là, deux blancs, et dans l'autre case, il y avait deux noirs. J'arrive le lendemain, qu'est-ce que j'en marque? Il y a deux noirs là-bas et deux blancs ici. Alors, on pourrait très bien dire que ceux-là, ils ont changé de place, ils ont déménagé, ils ont... Non, on ne dit pas ça. Ce que tu as prévu, tu ne le retrouves pas, c'est plus les mêmes. Ce que tu as prévu ici, tu ne le retrouves pas, c'est plus les mêmes. Tu ne manges pas de viande pendant bientôt. Tu ne prends plus ces poulets, d'accord? Parce que, étant donné que tu peux pas, t'as pas de signe de les reconnaître, tu es juste en train de supposer. Donc, tant que c'est le même type, tu ne crains pas qu'ils ont été remplacés, mais à partir du moment où tu commences à constater que c'est plus les mêmes, tout est possible, il est fort probable qu'en fait, ils ne déménagent pas, d'accord? C'est pas, il n'y a pas plus de fréquence qui déménage plutôt qu'ils viennent de l'extérieur. Or, l'extérieur, il y a des milliers d'éventualités où est-ce qu'ils ont pu partir et d'autres oiseaux qui sont venus par rapport au fait qu'ils aient déménagé, qu'ils aient changé de case tous les deux. Aussi, Shnaim ou Matzah Shlosha, Asurim. S'il a prévu deux, il arrive le lendemain, il voit qu'il y en a trois. Donc il y a eu un autre qui a squatté. Le problème, il est que le troisième, il n'a pas désigné. Et il s'est passé lequel? On ne dit pas Bitul Berov pour plusieurs raisons. Ça ne s'annule pas par la majorité. Il y a plusieurs raisons pourquoi. D'abord parce que les êtres vivants ne s'annulent pas dans le rove. À part ça, une chose qui va devenir permise le soir même, alors ça ne s'annule pas avec le rove, d'avoir cherché le matirim. Donc, il n'y a rien à faire, tu en as prévu deux, tu en retrouves trois, il y en a un que tu ne peux pas consommer, dans le doute, tu ne peux en consommer aucun. Par contre, shlosha o matashnaim, si tu avais prévu trois, et puis maintenant tu en trouves qu'il n'y en a plus que deux, alors là on a deux éventualités. Soit il y en a un qui est parti, et puis les deux ils sont restés sur place. Ou soit s'il y en a un qui est parti, tous les trois ils sont partis, il y en a eu deux nouveaux qui sont venus. Alors là, ce qui est plus probable, plus plausible, c'est que c'est quand il y en a un qui est parti et les deux ils sont restés, donc tu as le droit de manger les deux qui restent. Ok? Betor haken ou matzalif ne haken asurim. Alors là, halakha importante, c'est que si tu les as prévus, ils étaient dans la case. Puis maintenant que tu arrives le lendemain, tu vois que la case elle est vide. Mais tu remarques que devant le nid, à l'extérieur, tu vois qu'il y a deux pigeons. Est-ce que tu dis, bon, ils viennent de lui ou bien non? Ceux qui étaient là, ils sont partis, ceux qui sont par terre, c'est des autres.
Alors là, de nouveau, tu as la confrontation entre les deux. C'est discuté dans la Gemara, pourquoi exactement? Il y a une notion qui existe qui s'appelle Rov Vekarov, Ruba Adif. Entre, lorsqu'on a une situation où on cherche toujours, c'est des sujets fréquents dans la Gemara, on cherche à définir les choses, à supposer que jusqu'à preuve du contraire, comment les définir? Tu trouves maintenant des oiseaux par terre, des oiseaux par terre, peut-être qu'ils viennent de là, parce que c'est Karov. D'un autre côté, et en contrepartie, peut-être que ça peut venir du monde entier, dans le Rov. Rov et Karov, Rouba Adif. Le Rov, c'est lui qui l'emporte. C'est plus probable qu'il soit venu de l'extérieur que ce soit le même bijou. Donc c'est pour ça que ça sort. Vimen Sham Elahem, et Are Elu Mutarim. Par contre, alors là, alors, c'est une situation un petit peu compliquée en fait. Je traduis d'abord. Imen Shamelahem, si toutefois il n'y a que eux, il n'y a rien d'autre, alors on suppose que ça vient de là, qu'ils viennent de ce pigeonnier. Soit il y a une case devant nous, il n'y a pas d'autres pigeons ici. Et sur le champ de vision qu'on a devant nous, il n'y a rien d'autre. Il pourrait éventuellement y avoir un autre chauvard, un autre pigeonnier plus loin, qui pourrait faire que les pigeons viennent. Seulement on a une règle, on parle de pigeons qui sont en train de sautiller. Et qui ne savent pas vraiment voler. Alors les pigeons qui ne savent pas vraiment voler, la Mishnah, la Gemara explique, ils avancent tant que ils se retournent et ils voient le pigeonnier d'où ils viennent. Ils continuent à avancer, dès qu'ils ne peuvent plus le voir, ils s'arrêtent, ils reviennent en arrière. Donc du coup, la Gemara explique, en fait, on parle d'un cas en particulier, on parle d'un cas où il y a un pigeonnier ici, il y a un autre pigeonnier plus loin, mais que là on trouve les pigeons où ils peuvent pas, les petits pigeons qu'on trouve maintenant. Ils ne peuvent pas voir l'ancien, l'autre pigeonnier. Ils peuvent voir que celui-ci. Donc dans le doute, on supposera qu'ils viennent de celui-là et donc tu pourras les consommer. Parce que on suppose, bah, la probabilité, elle est très logique que ça provienne d'ici plutôt que ça provienne de l'extérieur. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.